Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo placée toujours sous le signe de la Snapshot 24W07A. Pas eu d'évolution cette semaine. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu changé de secteur. J'ai voulu adopter un lama. Et surtout, je me suis installé dans un biome un petit peu différent parce que j'ai envie de partir hop, dans le Nether. Je n'oublie pas de porter, hop là, de l'or pour éviter de me faire agresser. Je prends un peu d'or même avec moi au cas où, ça servira à rien, c'est pas grave. Et j'y vais. Alors pourquoi ici plutôt que dans les zones où j'étais déjà? Parce qu'en fait mes villages se situent assez loin derrière là-bas. Bah, tout simplement parce que j'ai envie de changer de biome aussi dans le Nether et j'ai l'impression que les deux portails que j'ai utilisés m'emmènent toujours au même endroit. Donc je me suis dit, bah, je vais partir un petit peu plus loin et voir ce que ça donne. Allez, on y va. Et on croise les doigts pour trouver un biome sympa. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Oh, mais c'est pas vrai. Ah, mais si. Ils viennent de... Oui, je pense qu'ils étaient... Hop là, on va les laisser ici. Ils étaient dans l'autre... Ah zut, je les avais laissés en fait aux portes de l'eau des autres portails. Portails qui se trouvent je ne sais pas où. Mais pas dans le secteur. Bon. Je suis un petit peu plus haut que dans mon passage précédent. Parce que mon passage précédent, en fait, j'étais au niveau de... Bah, vous voyez en bas là. Alors, je sais pas si c'était là. Non, je me souviens pas d'avoir vu les colonnes. Mais j'étais vraiment à proximité de la lave. Et donc un biome peu intéressant d'un point de vue découverte. Là, ici, c'est un petit peu mieux. Je vais peut-être pouvoir remonter un petit peu par là pour aller voir ce qu'il y a derrière. L'idée étant de trouver de quoi fabriquer de la netherite. Ce qui pour l'instant fait partie des choses que je n'ai jamais fait. Allez. On va creuser un petit peu. Voilà. C'est beau, mais... Je ne vois pas de zone intéressante à aller visiter. Donc pour l'instant, on va récupérer des points d'expérience. Et puis c'est tout. Je pense que la netherite par ici, il n'y en aura pas. Et s'il y en a, je vais pas m'amuser à aller la chercher. Alors que par ici, ça serait peut-être plus intéressant. Allez, on y va, on creuse. Oh, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Voilà, ça je conserve. Mais voilà, je voulais aller juste là. Oh bah tiens, qu'est-ce qu'il fait là lui? Pas de réaction. Par contre, là, on entend un ghast quelque part. De toute façon, quand on est dans leur ligne de mire,
Ah ben elle est là. Voilà ce qu'on entend. Ah mais quel con. J'ai cru que j'avais réussi à le toucher. Et que ça lui avait renvoyé la boule de feu, mais en fait non, c'est moi qui me suis pris dans la tronche. Quelle nouille. Allez, on essaye par ici. Bof. Bof, bof, bof. Alors c'est vraiment les zones du Nether qui m'intéressent pas. Je vois pas du tout ce que je peux y faire. Si vous savez ce qu'il y a à faire à part essayer de chevaucher les bestioles là-bas, ces bestioles-là, franchement, aucun intérêt par ici. Le vla, il est là. Je tire dans le vide, là j'ai vraiment le sentiment que ça sert à rien. Une flèche et c'est bon. Ok. Toi, ça a une flèche aussi? Non. Ah si, peut-être. Peut-être pas d'intérêt non plus à descendre là-bas. Ah, c'est compliqué là. Est-ce que ça vaudrait le coup de creuser un peu là-dedans? On va essayer. Je vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis passé par là moi déjà? Ah bah oui. Clairement. Oh! Je rêve ou je rêve? Je rêve pas. Mais non! Je t'ai tiré dessus! Bon, par contre, je l'ai pas rêvé là. Ouais, il y a ce qu'il faut là. Waouh! Je sais pas si je suis équipé. Je sais pas du tout si je suis au bon endroit. Et comment ça se fait que je l'ai pas vu la fois où je suis arrivé ici? Je vais me mettre en position. Hop là, capture d'écran. Je l'ai trouvé là. On est bien d'accord. Je vais m'approcher quand même. Et peut-être aménager ce qu'il faut pour pouvoir m'y rendre. Voilà, parce que là c'est pas du direct. Oh, quoique. Non, pas complètement direct, mais c'est limite dangereux s'il y a un ghast qui arrive. Et là, on n'est pas loin du tout, hein. Waouh. Je vais m'assurer le chemin, là. De manière à pouvoir remonter au plus vite, sans trop...
trop de risques. Oui. Tu as vu, j'ai des chausses en or. Tiens, je te donne celui-là. Oh, j'aime pas ce cri. Bon. Je flippe un peu, hein. Je dois vous l'avouer. Et pour ceux qui ont un petit peu suivi mes vidéos, vous savez que je ne suis pas téméraire du tout. Donc je préfère fuir que d'affronter l'ennemi. On essaye? Un nouveau progrès réalisé. Non, je ne toucherai pas à l'or ici. Alors, je sais pas du tout comment se comportent ces zones-là. Est-ce qu'il y a une forme spéciale? Est-ce qu'il faut grimper tout là-haut pour accéder au trésor? On va essayer. J'ai un petit peu un équipement pour ça. En espérant qu'il n'y ait pas des piglins sauvages là-haut. Ok. Donc ça c'est un niveau. Et là on va essayer ce niveau là. Jusqu'au niveau max. En se faisant une petite protection. Ici, au cas où on se casse les... Vous savez quoi? Hop. Ouais, parce que je suis capable de tomber tout seul. Ok. Donc ça, c'est des très méchants. Je crois. Ils ont le bord des ceintures, là, et ils sont en noir. C'est pas des gentils. Oh putain, ils sont juste là. Oh non, non, c'est bon. Je vais pas aller les voir tout de suite, hein. Oh non. Vous l'avez vu le ghast là qui nous spawn juste devant la gueule? Eh va-t'en quoi. Alors, est-ce que c'est là-dedans qu'il faut que j'aille? Ou est-ce que c'est plutôt ici? J'en ai aucune idée. Je vais grimper encore jusque là. Essayer de couper ça. Voilà, juste pour être un peu tranquille. Ah non, ça coule là-haut. Oh purée. Je suis vraiment pas à l'aise. Hein. Ne
mais alors pas à l'aise du tout. La lave et moi, on n'est pas trop copains. J'ai pas de potion, je me dis pas. Ouais, non, je crois pas. Voilà, ça on peut bloquer, c'est déjà un bon point. Ça va nous enlever de la lumière, mais ça permet de voir les choses un peu plus sereinement là. Ok, donc là il y a des escaliers qui descendent. Les v'là, c'est eux là. Punaise. Ils sont comment? Ils sont quoi eux là? En fait, eux de base, ils sont vénères, c'est ça? Bon arc, mais je ne sais pas du tout combien ils sont là-dedans. Ni comment ça se passe. Oh là là, fou, c'est flippant. Et en plus la petite musique qui va bien pour te stresser. Donc je sais que je suis arrivé par là. Allez bien, reviens par là. Ouais, j'ai presque plus de bouclier. C'est chaud quand même. Non, je fais quoi là? Voilà. Est-ce que je pourrais les avoir de là-haut? Je l'aperçois à peine. Je vais mettre des plombes, la vidéo elle va durer 2 heures. Je suis profondément désolé. Mais là j'ose pas avancer. Et y aller à fond. Je pense qu'il va falloir que j'aille chercher quelques informations sur ces habitants là. Ne serait-ce que pour savoir combien ils sont. Non, lui c'est pas un méchant. Voilà, par contre lui c'est un méchant. Ah, il est résistant celui-là. Voilà. Le truc c'est, est-ce qu'il en reste beaucoup après? Combien sont-ils là-dedans? Et dans quoi je suis? Parce que là je suis pas comme la dernière fois dans une forteresse. Donc ça, ça doit être le bastion. Bon. Pour l'instant, je pense que je vais redescendre, je vais repartir de là. Ouais, je vais m'équiper comme il faut.
de manière à pouvoir par la suite. Ouh, c'est chaud. Oh, ça donne trop envie d'aller voir un coffre comme ça. Quoi? Vous avez entendu comme moi, il y a une poule? On se cache. Là, c'est bon, personne ne peut venir me foutre sur la gueule. Je me protège un maximum et on vérifie. Waouh! Je prends. Je prends pas, j'ai plus de place. Non, les arbalètes, pas la peine. Ça, je prends. Ça, bien entendu, que je vais prendre. Oh, génial. J'ai jamais vu ça. Allez. Et on termine avec ça. C'était ma dernière flèche en plus. Bon, allez, il est temps de partir. Voilà, on aura volé. Ah oui. Non, qu'est-ce que je fais? Voilà, je voulais prendre ça et mettre une torche. Parfait. Allez, on se barre. Un petit vol discret. Dans le coffre du bastion. Et je retourne chez moi. Pour refaire le plein. Revenir avec plus de flèches. Mais ouais, c'est bien. Waouh. C'est bien un bastion. Si je ne me trompe pas. Alors, par où je repars? Je vais juste me faire une descente par là. Pour vérifier que celui-là m'emmène bien là où je pense. Waouh, pas du tout. Non, c'est pas ça. Comment ça se fait que j'ai mis des torches ici? Comment est-ce que je suis arrivé ici? Je me souviens pas. Mais là, j'ai vraiment fait une belle grimpette. Et voilà. Ok, c'est celui de la jungle. Bon, je suis très très loin de mon point de départ de tout à l'heure, mais maintenant je comprends mieux. Allez, et ben on va retourner au village, puis ensuite il faudra que je retourne à ce nouveau point où je suis réapparu, mais je pense que la petite maison que j'ai faite, oh non, allez, on va passer par là et on va essayer de retrouver le bon chemin. Oui, déjà il faut que j'y retourne. Hop. Allez. Donc on a dit que c'était par ici. Non, pas du tout. (Rire)
c'était par là. Voilà. Et ensuite, par ici. Mais non, je raconte n'importe quoi. Au secours, je fais n'importe quoi. Voilà, là je descends. Et maintenant je pars par ici. Alors que c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse, hein. On est bien d'accord que c'est en bas. Pas du tout. J'arrive pas à retrouver mon point de départ. J'ai du mal à me souvenir comment je suis arrivé ici. Ça peut pas être par là. Oh punaise, mais je suis une nouille. Hein. Sérieux. Je n'arrive pas à me souvenir par où je suis arrivé. Bon, toujours est-il que je peux repartir, donc c'est ça le plus important. Et donc on repart par là tout droit en fait. Pas besoin de descendre. Allez. Je vais vous laisser par ici. Ça fait déjà une bonne demi-heure de vidéo. Je vais certainement la réduire un petit peu pour éviter les petites longueurs. Et donc je vais retrouver mes animaux, aller me cacher, non pas du tout, aller m'équiper pour pouvoir revenir par ici, et puis tenter d'autres découvertes, et d'aller un petit peu plus loin certainement dans ce bastion. Mais avant ça, il va falloir que j'aille chercher des infos quand même pour me protéger et pas faire de bêtises. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous !